Renaud a signé une pétition qui défendait un artiste qui avait écrit une chanson qui s'appelait Nique la France. Merci. Beaucoup de gens avaient déjà tout est dit. Non mais attendez. La France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Jamais on m'a demandé, quand je vais aux grandes gueules, de dire Corbière. Non. Dis vive la France. Daniel, tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit, moi, j'ai pas de problème, mais je ne réponds pas à ce genre d'injonction. Alors non, je vais vous dire ce qu'elle a dit exactement. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France? Pourquoi vive la France, parce que c'est la démocratie, que vous êtes député de la République. Bah oui, j'en suis honoré. On a assez parlé de Daniel Obono. Je vous rappelle quand même que le mensonge est quand même une grande spécialité communiste. Allez, merci, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va pas relancer le débat là-dessus. Alors, je vous en prie. Je suis honnête, on va être d'accord. Je vais vous dire une chose, monsieur, je ne suis pas communiste. Mais si. Mana Bobono a signé une pétition.